Normand Chouinard de Sainte-Pompessu, camionneur depuis l'âge de 18 ans. Puis j'ai eu 66 ans la semaine dernière, fait que ça fait quelques années que je crois ça. Mon père était camionneur, puis il transportait du bois sur le même pour la compagnie Matériaux Blanchette. Quand je n'avais pas d'école, j'étais toujours avec lui, je le suivais partout. J'avais 8-9 ans, pas plus, dans les débuts. Là, par les années des camions, là, il y avait un Chevrolet 1961, puis il y avait deux Chevrolet 1964. Puis je suis venu au monde en 54. Mon père, il avait un garage, un petit peu plus petit que celui-là, qu'il avait construit lui-même en 1960. Et puis, on était pas mal outillés, là. On avait les choses essentielles, là, les jacks, puis même au début, on n'avait même pas de compresseur à l'air. Un pneu de camion, on soufflait ça avec une petite pompe. Deux gars... Ça prenait 10-15 minutes, je soufflais un pneu de camion. Puis après ça, là, on avait ramassé un compresseur usagé que mon oncle, qui était garagiste en haut, il avait changé son compresseur à l'air. Puis là, on a commencé de même tranquillement. J'avais fait un secondaire 5, puis j'avais 2 ans de mécanique automobile dans le temps. Le cours se donnait à la polyvalente de Saint-Manfil. J'ai sorti de l'école en 72, là, mais l'été, je menais pareil des camions pour mon père en route. Là, puis... Mon père, il faisait ses boîtes de camions. Là, il achetait un camion neuf, mettons. C'est tous nous autres qui l'installa. C'est lui, là, mais moi, j'ai appris de lui. Puis avec ce que je savais, avec ce que j'ai appris à l'école aussi, là, puis avec à force de voyager puis de voir d'autres choses toujours de meilleures, là, ben, ça nous donnait l'idée de modifier puis de s'améliorer. J'allais à l'école la semaine, là, puis les 2 dernières années, je montais en camion à l'école. Puis quand je sortais de... Quand je sortais de l'école à 3h, 3h30, j'allais faire un voyage de bois dans l'État du Maine. C'est ça qui m'a donné le goût. On arrivait aux lignes le matin, il fallait respecter les heures. Là. Mettons qu'à 6h, ça traversait. Là. Il y avait juste, dans le temps, je pense qu'il n'y avait même pas d'office. Il y avait juste une petite boîte en venir là, avec un couvert et un petit loquet. Puis il y avait 3-4 feuilles avec un crayon plomb. On signait notre nom, la date puis l'heure. Puis on traversait les lignes de même. Oui. Il y en avait 2. Il y en a eu jusqu'à 4, là, mais il y avait des chauffeurs. Il a aussi fait du transport dans l'Abitibi de Pitoune. Là, pour... Dans ce temps-là, il dompait le 4 pieds dans, sur les trains. Là. Puis il y avait 4-5 hommes qui travaillaient pour lui. Là. Lui, il emmenait un camion, puis il y avait des chauffeurs sur les 3 autres. Puis... Il y avait dans ce temps-là, il y avait des halpeurs, là. Il n'y avait pas de chargeuse, c'était tout chargé à main. Fait que les gars travaillaient dur à plein. Moi, j'ai commencé plus tard, les chargeuses avaient commencé dans le temps. Là. Je venais transporter pareil là, à Forestville, là, à l'Abriville, en haut de Forestville, là, mais c'était des chargeuses qui nous chargeaient. On faisait eux arrimer, nous autres, là, puis attacher nos voyages, puis aller le livrer. Mon père faisait partie de l'Association des camionneurs artisans. C'est notre organisme de courtage, ça, là. D'ailleurs, moi, je suis là-dedans. Ça a commencé en 70-71, à peu près, là. Puis on est des premiers membres qui sont rentrés là-dedans. Là. Puis là, après ça, la transcanadienne a commencé, là. Dans ce temps-là, à peu près tous les camionneurs de la place, ils faisaient amener le petit gars la nuit.
Les parents, les pères amenaient le camion dans le cours, puis c'était à tous les chauffeurs de mon âge à cette heure, là. Ils ont à peu près tout appris là sur la transcanadienne de nuit. Dans ce temps-là, c'était le frère de mon père qui était dispatcheur. C'est lui, mettons, il savait que s'il y avait 45 camions dans le comté, c'était lui qui appelait les gars le soir pour dire sur quel job qui était assigné, pour quel contracteur sur la transcanadienne. Ben, les camions étaient petits, là, puis ça brisait beaucoup. On chargeait fort. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi de pesanteur. Là. Même toute la transcanadienne, justement, la 20, là, ça s'est fait, ça, là. Les trucks, ils étaient plus petits que ça, là, puis beaucoup plus petits. Puis on mettait des grosses chars. À cette heure, on met à peu près le tiers avec les lois de chars. Là. On met à peu près le tiers de ce qu'on mettait dans ce temps-là en pesanteur. Il n'y avait pas de contrôle routier, là, c'était juste la Sûreté du Québec, là, puis les contrôles, ça a venu bien après ça, là. Ah, ben là, mon père, il a eu un grave accident. Et quand la transcanadienne a été finie, il s'est acheté un camion neuf. Puis là, la Bedream décollait, dans ce temps-là, ça commençait à la Bedream en 1973, là, puis... Il est parti pour s'en aller travailler là, puis il est parti au début de juin, puis au début de juillet, il y a eu un gros accident, là. Il s'est frappé deux camions à gravier dans poussière, là, puis il est décédé là, à ce moment-là. Puis avant de partir, il m'avait donné mon premier camion, moi, là. Moi, je l'aidais beaucoup à mon père, puis il me payait pas de salaire comme tel, là. Il me donnait un peu d'argent de poche. Puis avant de partir pour la Bedream, il m'avait donné ce vieux camion-là, là. Puis c'est le même que j'ai commencé. Puis là, l'année d'après, là moi, je transportais sur le Maine à ce moment-là pour matériaux blanchettes. Puis là, dans le printemps, j'ai vendu mon camion, puis j'ai racheté un 10 roues pour m'en aller à Bedream, moi aussi. Là, j'ai parti pour la Bedream dans le printemps, après que mon père a été décédé. Ça m'intriguait d'aller voir ça, là. Puis après ça, j'ai travaillé un peu partout, là, autant en forêt que sur le gravier. Là. J'allais où il y avait de l'ouvrage, où il y avait de la demande. J'embarquais la valise puis le coffre d'outils. Puis j'allais travailler où que l'ouvrage était. Quand t'es jeune, t'es fonceur, là. Pas vraiment. Je travaillais, puis ça me coûtait pas autant. C'est sûr que conduire, c'est encore mieux que faire du mécanique, là, mais j'ai tout le temps été fier des camions que j'ai eus. Même s'ils étaient vieux, il fallait que ça soit propre, puis en ordre, puis que ça marche bien. Dire de quoi qu'il m'a arrêté, là, vraiment, là. On se trimait pour passer par là-dessus. Si on brisait du mécanique, mon père, il avait un principe, puis il m'avait montré, moi, il dit, si les autres sont capables de faire ça, nous autres, on est capables aussi. Après ça, j'ai pas fait ça tout seul. Moi, j'avais un petit frère de 9 ans. Quand mon père est décédé, mais lui, il avait 9 ans, moi, j'avais 18 ans. Puis là, quand lui, il a eu 18 ans, là, moi, je transportais beaucoup, je faisais beaucoup de transport de gravier dans les chemins de cabane à sucre, puis les clos à bois. Puis là, j'ai venu que je travaillais 6 jours par semaine, j'en avais trop. Fait que là, mon frère, il m'avait tout le temps aidé, lui tout, depuis l'âge de 9 ans. Puis lui, il avait étudié en plus. Il avait son cours de maçonnerie lourde. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, si tu veux t'acheter un camion, bien permis, je vais te donner la moitié de tout ce que je fais. Fait que c'est de même que notre histoire a commencé pas mal, là. Puis après ça, ben c'est ça. À un moment donné, on a passé au feu en 2002. Là, à partir de là, ça en a créé une méchante embûche, là. Là. On a voulu emprunter un gros montant pour se lever en eux, puis s'outiller, acheter l'outillage tout en eux aussi, parce que j'avais pas d'assurance, il n'était pas assuré le vieux garage. Ouais, ben c'est quoi, ça coûte beaucoup plus cher à opérer, les prix n'ont pas augmenté pour régaler ce que ça coûte. Là.
Je me rappelle mon premier camion, là, mon père l'avait acheté neuf en 1969. Il coûtait 6 900 $, taxes compris. Ça a bien changé aujourd'hui. T'as pas grand-chose, un camion de même, mais ça coûte en haut de 200 000, certains. Puis les assurances, ça coûtait dans ce temps-là 197 $ d'enregistrement. Puis là, ça coûte 3 400 $. C'est tout ça, là. J'ai été travailler comme en Ontario, à Tamen. J'ai travaillé à Bedream, là, c'était à 1100 000 d'ici, là, mais un coup rendu là, c'était du transport local plus. Là. Puis comme sur le Maine, en forêt, on va jusqu'à 160 km à peu près à des lignes, là. Un peu partout, là, moyennant où est-ce que le bois, où est-ce qu'il reste du bois, là, à couper. Puis y en a qui vont sur matériaux blanchettes, il y en a qui vont sur mes becs. Sur mes becs, à cette heure, c'est bois d'aquam. Puis il y en a qui vont à Saint-Russe. Puis des fois, on va domper à Saint-Aurélie aussi. Puis je transporte chez Boîtière de la Fontaine aussi depuis 1973. J'ai encore un camion qui travaille là avec un chauffeur. Oui, oui. Moi, j'ai pas de mérite ben, c'est pas moi le mécanicien, c'est mon garçon. On fait ça, un camion, on prend ça, là, on le déboîte tout, les bords de frein à terre, puis on part la première boîte, puis on le construit à notre goût, selon nos normes, on le guire comme on veut, puis à mesure qu'il sort de quoi de récent, on les modifie, ils ont toutes des balances électroniques. Moi, j'ai toutes mis des balances électroniques dans tous les camions. Rien que ça, c'était un investissement d'aura 10 000 $ par camion. Et comme quand ils ont sorti des nouvelles transmissions, là, 18 vitesses, on lui a tout mis ça. Puis ils ont sorti les différentiels full lock là, pour que les quatre roues barres en arrière. Puis, à mesure qu'ils sortaient de quoi de récent, comment c'était des camions usagés, bien, ils ont tout le même équipement qu'un neuf. Fait que ça te fait une voiture fiable, puis t'es à la page pareil, là. Puis les peintures, ben, j'aime bien garder ça, moi, comme... c'est pas juste la peinture, il faut que le mécanique soit bon avant d'appliquer la peinture. C'est, après que le mécanique a été fait d'un bout à l'autre, là, on voit à cause de finition. Oui, j'ai justement un de mes petits gars de mon cousin qui demeure ici en arrière, là, puis il a suivi son cours de camion, puis il menait souvent se promener avec nous autres. Puis là, il a pogné le goût de ça. Là. Puis il avait suivi son cours de machinerie lourde, puis en plus de ça, il a suivi le cours là, de Charlebourg. Là, de... Il a transporté, puis il n'a pas eu de bad luck trop, puis des choses normales. Ma fille est représentante de pièces, de camions. Elle a une bonne job, pas mal. Puis elle y voit, ça en est une passionnée. Elle aussi, elle avait suivi son cours de camion. Elle a même conduit pour moi un petit bout de temps. Là, mais là, mon gars, bien, lui, dans le garage, c'est sûr qu'avec 3-4 camions, puis 3 remorques à bois, puis après un gars pour l'entretien dans le garage. Moi, j'ai juste à m'asseoir en arrière du steering et à gagner des sous. J'espère que mon gars, il a ça dans la tête de prendre l'enlève. Là, ben, il connaît tout l'équipement. C'est lui qui. C'est presque à lui, sauf que c'est juste mon nom qui est sur l'enregistrement. Ça sera pas mal notre histoire.